Bonjour à tous, on continue cette fois avec des équations un petit peu plus compliquées que celles qu'on a vues dans certaines vidéos précédentes. Supposons par exemple qu'on ait 3x, 3x plus 5, et je fais attention aux couleurs, vous allez voir que je vais m'en servir plus tard, 3x plus 5 est égal à 17. Si on n'avait pas ce plus 5, si on avait juste... 3x égale 17, c'est des choses qu'on a déjà fait. On sait qu'il suffirait de diviser par 3, mais pour l'instant, on a ce plus 5 dont on voudrait se débarrasser. Et avant de regarder mathématiquement comment on va faire ça, on va regarder visuellement ce qui se passe quand on veut résoudre ce type d'équation. Déjà, 3x plus 5, on pourrait le représenter. On sait que 3x, c'est x plus x plus x. Ça, c'est 3x. Et mon plus 5, je vais le représenter avec 5 objets. 4 et 5. Ici, j'ai représenté un peu visuellement mon 3x plus 5. À droite, j'ai 17 et je vais aussi le représenter avec des objets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. J'ai ici une manière de représenter mon équation 3x plus 5 égale 17. Maintenant, ce qui est important, c'est que je veux me débarrasser de ces objets qui sont là, mais si j'enlève un objet ici, c'est fondamental que j'enlève aussi un objet là. On a une égalité, ces deux expressions valent la même chose. Si je modifie l'expression qui est à gauche, pour garder mon égalité, il faut que je modifie de la même manière l'expression qui est à droite. Comme on l'a dit, on aimerait bien se débarrasser du plus 5, on aimerait bien avoir juste 3x dans le terme de gauche. Eh bien on va le faire. On se débarrasse de nos cinq objets ici, on les élimine. Mais comme je viens de le dire, si jamais on fait ce genre d'élimination à gauche, alors il faut faire la même chose à droite. On va éliminer autant d'objets de manière à conserver notre égalité. Mathématiquement, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir rayé ces objets Ça veut dire que je les ai enlevés. Autrement dit, ça veut dire que j'ai fait une soustraction. Si on veut représenter ce qu'on vient de faire ici, on peut dire qu'on a enlevé 5 à gauche et enlevé 5 à droite. On va l'écrire dans notre équation. Dans le terme de gauche, on a soustrait 5. Et pour garder l'équilibre, dans le terme de droite, on a soustrait 5. Maintenant, qu'est-ce que ça nous donne 3x plus 5 moins 5, ben, le plus 5 moins 5, ça va s'annuler. Et donc, il nous reste tout simplement 3x. D'ailleurs, regardez, les 3x qu'on a, c'est ce qui reste ici. X plus X plus X dans le terme de gauche, c'est ce qu'il me reste. C'est bien 3x, c'est bien le résultat de 3x plus 5 moins 5. Dans le terme de droite, à quoi ça va être égal eh bien, Dans le terme de droite, 17 moins 5, c'est une simple soustraction. On sait que c'est égal à 12. Encore une fois, on peut vérifier. Dans le dessin de droite, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 objets. Donc en soustrayant 5 à chaque terme de mon équation, on maintient notre égalité et on se ramène à l'équation 3x est égal à 12. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a ça Eh bien, à ce stade-là, on l'a déjà fait, on veut diviser par 3. Dans mon terme de gauche, ces 5 ils ont disparu, ces 5 aussi, ben attendez, je vais les enlever, ce sera plus clair. Eux, ils ne sont plus là. Eux, ils ne sont plus là. On a donc nos 3x qui sont égales à 12. Et maintenant, on va diviser ça en 3. En trois groupes identiques. X et X et X. J'ai trois groupes qui contiennent chacun X. Et à droite, je veux faire la même chose je veux diviser ça en trois groupes qui ont autant d'objets. Ça va ressembler à ça. Mathématiquement, ça veut vraiment dire que j'ai divisé par 3 le terme de gauche et j'ai divisé par 3 le terme de droite, encore une fois, si je fais une opération à gauche. Je veux faire la même à droite. Maintenant, on peut simplifier. 3x divisé par 3, ben, les 3 s'annulent. C'est bien pour ça qu'on a divisé par 3. Il nous reste juste x. Et dans le terme de droite, 12 divisé par 3, ça nous donne 4. Si on regarde, c'est bien ce qu'on a trouvé avec notre représentation visuelle. Un seul groupe, quand on a divisé par 3, ça contient juste un seul x. Et un groupe ici, quand on a divisé par 3, ça contient bien que 4 objets. Autrement dit, un groupe qui contient x est égal à un groupe qui contient 4 objets. C'est la même chose qu'ici. x est bien égal à 4. On peut vérifier que c'est bien la solution de notre équation en substituant x par 4 dans cette équation. Si on remplace x par 4, ça nous donne 3 fois 4 plus 5. 3 fois 4, c'est égal à 12. Et 12 plus 5, c'est bien égal à 17. On va faire un autre exemple. Cette fois, je ne vais pas faire de représentation visuelle, mais n'hésitez pas à la faire vous de votre côté si vous en avez envie. On va chercher à résoudre. Euh, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. 7x moins 2. Et on va faire en sorte que toutes les fractions ne se simplifient pas forcément. 7x moins 2 est égal à moins 10. Encore une fois, dans l'idéal, on aimerait bien avoir juste 7x dans le terme de gauche de cette équation. Ça nous permettrait, en divisant par 7, de se retrouver avec juste un x, mais pour l'instant, on n'a pas ça parce qu'on a 7x moins 2, et donc on a envie, en un sens, de se débarrasser de ce moins 2, et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme opération, qu'est-ce qu'on peut additionner ou soustraire pour se débarrasser de ce moins 2. Eh bien, si je veux annuler l'effet d'un moins 2, si je veux me débarrasser d'un moins 2, j'ai tout simplement à additionner 2. Mais rappelez-vous, si j'additionne 2 dans le terme de gauche, je dois additionner 2 dans le terme de droite. C'est la seule manière de m'assurer que je maintiens l'égalité dans mon équation. Alors maintenant, regardons ce terme de gauche, qu'est-ce qu'il devient Eh bien, 7x, il ne change pas, 7x, ça reste 7x, et moins 2 plus 2, il s'annule, c'est bien pour ça qu'on a additionné par 2, donc mon terme de gauche, ça devient 7x. Quant à mon terme de droite, moins 10 plus 2, alors là, vous ne trompez pas, si jamais vous avez un doute quand il s'agit de travailler avec des nombres négatifs, n'hésitez pas à retracer une droite des nombres réels. Si on a moins 10 ici, on s'approche du 0 en allant vers la droite, donc moins 9 est là, moins 8 ici, moins 7, etc. Et additionner 2, ça veut dire qu'on va se déplacer vers la droite sur l'axe des nombres réels. Ça, c'est plus 1. Ça, c'est plus 1. Donc, moins 10 plus 2, ça m'amène sur moins 8. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est se dire, ah ben je sais, 10 plus 2, ça fait 12, donc moins 10 plus 2, ça ferait moins 12. Non, non, vous ne trompez pas, on se déplace vers la droite, et donc on se rapproche du 0. Moins 10 plus 2, ça fait moins 8. Notre équation maintenant, c'est donc 7x est égal à moins 8, et pour isoler notre x, l'opération qu'il nous reste à faire, ça va être de diviser par 7. 7x divisé par 7, ça nous donnera x. Mais encore une fois, on ne le dira jamais assez, si je fais une opération dans le terme de gauche, je dois faire la même opération dans le terme de droite de manière à conserver mon égalité. On n'a plus qu'à simplifier. 7x sur 7, on l'a dit, ça nous donne x. Et à droite, ben ça ne se simplifie pas trop. Je vous avais prévenu que sur cet exemple-là, on n'aurait pas forcément des fractions faciles. X, ça nous donne moins 8 septièmes. Et on ne peut pas vraiment faire mieux, donc on en reste là on a la solution de notre équation, et la solution c'est moins 8 sur 7. Voilà pour ces exemples. Merci de votre attention. Au revoir.